Welcome at the Hermes booth here at Baselworld 2015 to discover the new products. And actually, more than the new products, there is a new collection called the Slim Collection. The Slim Collection is a result of many years of research and development and also design studies with a graphic designer coming from France, which is Philippe Appelois. And together with Hermes, they developed a special design for the dial in particular. The Slim Collection is also the first collection to integrate new ultra-thin movement from Boucher manufacture. So let's go and discover more about those new pieces and other things with Philippe Delotal, head of creation at Hermes, or in other words, the art director. Cette combinaison du mouvement extra plat et de cette nouvelle boîte, une boîte qui a été véritablement pensée à la fois contemporaine, à la fois moderne, minimaliste, une forme simple. Hein. Comme on dit, les choses les plus simples sont les plus difficiles à faire, et ça c'est assez vrai, parce que finalement, il ne reste pas grand-chose quand on vient épurer un produit. Et il a fallu trouver véritablement un ADN tout à fait particulier, aussi bien sur la boîte que sur le cadran. Pour la création de ce nouveau produit qui était la Slim, on a fait appel à Philippe Appelois. Et Philippe Appelois, c'est un graphiste très connu. Premièrement, c'est quelqu'un qui ne connaissait absolument pas l'horlogerie, ce qui nous a beaucoup intéressé, parce que justement, il avait ce regard neuf et il pouvait nous apporter autre chose que finalement un graphiste tout à fait classique. Et donc, on a travaillé ensemble justement pour qu'il y ait une adéquation parfaite entre les proportions de son graphisme et aussi les proportions de la boîte. Parce qu'un produit simple, c'est avant tout une question d'équilibre, de proportion, de forme. Alors, on va se décliner bien sûr en modèle de base qui est 39,5 mm, donc une pièce qui est relativement petite en dimension, donc en acier et en or, donc une 3 aiguilles, et également avec une très jolie complication qui est un quantième perpétuel avec un double fuseau. Également toute une ligne de collection d'âmes en 25 mm et en 32 mm, équipée pour l'occasion donc d'un quartz, et proposé bien sûr avec toutes les déclinaisons de cuir de couleur que nous avons en collection, mais également avec des versions serties en or rose, en acier. Cette année, j'ai eu la chance de pouvoir voyager et de pouvoir découvrir en tout cas les métiers du Japon, et un en particulier qui est le travail de la peinture sur porcelaine. Là, on vient avec une couleur d'encre tout à fait originale qui est faite de fer rouillé et de verre pilé. Donc, vous voyez, cette combinaison de couleurs vous donne cette couleur un petit peu ocre rouge, très particulière, qui est tout à fait unique et qu'on appelle l'akae, et qui est pratiquée justement par Maître Buzan, qui est l'artiste japonais que j'ai rencontré. Et pour lui, c'était véritablement un challenge tout à fait particulier, parce qu'il a l'habitude de travailler plutôt sur des plats ou des jolis pots, ou en tout cas tous des produits qui ont des dimensions beaucoup plus importantes que la surface d'un cadran. En plus de cette nouveauté qui est la peinture sur porcelaine, on a nos traditionnelles créations avec l'émail, puisque ça fait partie en tout cas des collections permanentes chez Hermès, et aussi c'est de plus en plus apprécié par nos collectionneurs. Et puis aussi une nouvelle montre de poche, qui est une montre de poche qui s'appelle Slim d'Hermès, la Pocket, avec une technique particulière qui est la gravure ajourée, et qui est aussi avec des dessins tout à fait originaux. Donc vous voyez toute une palette de nouveaux produits que vous aurez l'occasion en tout cas de venir découvrir sur notre salon.